Gouvernement Ariel Henry a poko vle pour Guy Philippe capable de rentrer en Haïti. Mesdames et messieurs, Guy Philippe qui joue une libération ailleurs, obligé d'aller dans l'autre centre jusqu'à ce que gouvernement haïtien bali yo passeport ensemble avec yo feuille de route qui capable permettre lui rentrer en dans pays d'Haïti encore. Mais go paquet question qui a posé, si États-Unis pas besoin passeport pour te faire Guy Philippe rentrer, pour qui ça l'a déporté dans pays, lui obligé gain yo passeport pour capable déporter. Rete là mesdames et messieurs. Monsieur, nous rejoignons tout détail de information si là. Moun ka fou fey continue à passer yon péripétie en babal bandi divers moun ki kite ka fou fey, mesdames et messieurs, éparpillés dans plusieurs centres dans capitale là. Et yon même arrivé atterri en dans cimetière, ça qui pas facile du tout pour moun ki ap jere en droit si là. Ensemble, nous prenons le temps de déclaration responsable cimetière là qui a bail plus détails. SDP prenant de rang. Le temps de moun sa ote djou, yon tap bataille pour peuple là. En ou te rete quoi c'est vrai? Eh bien, pas de chom nge bagay comme ça. Nous prenons saisir tant de déclarations citoyens ça, kap explique ki gentil monsieur dame sa yo te fait complot pour capable assassiner ancienne première dame république Martine Moïse. Rete là, nous prenons jouer tout détail dans un petit temps qui pas trop long. Rencontre CARICOM yo a continué. Mesdames et messieurs, côté délégation a rencontré divers membres dans la société civile là, ensemble avec gouvernement Ariel Henry. Ensemble, nous prenons le temps de déclaration quelques là-dedans. C'est toute information, ça va avec diverses notes qui prennent fait essentiel actualité nous jeudi. Bonjour tout le monde, bienvenue sur la plateforme Paola. Non, pas, c'est Fabula Jean-Charles, et c'est un plaisir pour nous capables de rentrer la caille à Kubrick Information, ça. Mais avant, nous aller plus loin, on a pris le temps pour nous dire merci. Ensemble avec vous-même qui like, qui commente, qui partage. Merci, ensemble avec vous-même, qui toujours invité. J'ai un monde qui dans l'entourage, vous restez abonné, ensemble avec plateforme, si là, puis capable toujours rester connecté avec bon information. Jeudi, c'est 8 septembre 2023, ça qui veut dire, jeudi, c'est vendredi, c'est week-end. Si vous conduit pas boire, si vous boire pas conduit, week-end ça terrible en de pays d'Haïti, mais nous espérons que l'autre week-end, la vie va mieux à tes pays d'Haïti piégé. C'est nous-mêmes qui avons responsabilité pour nous capables de protéger tête nous. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes de retour. L'ancien chef rebelle, ancien révolutionnaire Guy Philippe, eh bien, joué une libération le 7 septembre 2023, mais pas qu'on capable de rentrer en dans le pays d'Haïti, puisque la justice américaine a déclaré faut que Guy Philippe joigne un passeport haïtien avec un feuille de route afin pour être capable de déporter. Question à poser, pour qui ça a déporté Guy Philippe et puis il a besoin d'un passeport, les autres viennent prendre l'un. Est-ce que vous te prenez avec passeport? Comment faire ou à déporter un citoyen haïtien dans le pays? C'est pas dans l'autre pays que vous prenez le voyel pour qu'il ait besoin de passeport pays pour être capable de rentrer. Qui modèle jouait exactement que les États-Unis lui-même l'a joué ensemble avec Libération Guy Philippe? Est-ce que Guy Philippe lui-même il prend le tourner un problème pour quelques monde dans le pays d'Haïti? Est-ce que Guy Philippe lui-même il a un plan pour être capable? Eh bien, si mais la terre avec la troublaille, non, mais un politicien pas bon ici, qui la cause que les États-Unis arrivent, faire demande yon passeport haïtien ensemble avec toute yon feuille de route afin pour être capable de déporter Guy Philippe. Go paquet moun qui te paré, puis yon capable ouvrir tapis rouge pour Guy Philippe, nous capable toujours ouvrir tapis rouge pour Guy Philippe. Go paquet qui te paré pour recevoir avec fleurs, nous capable toujours recevoir ensemble avec fleurs, mais pas bien que Guy Philippe lui-même li pa rentré de plein gré en dans pays d'Haïti, mais c'est déporté, y a déporté. Jusqu'à présent, avocat Guy Philippe là a prêté un gouvernement Ariel Henry bal passeport si là afin pour être capable de joindre eh bien déportation Guy Philippe. Selon avocat, il écrit déjà ensemble avec ministère intérieur à collectivité territoriale là qui gagne en tête Ariel Henry. Il écrit ensemble avec ambassade Haïti qui New York là, ça veut dire et
Bouchit Edmond, jusqu'à présent, M. Sali même, li boko jwenn libération, li écrit ensemble avec le ministère Affaires étrangères afin pour li capable aider jwenn libération Guy Philippe, pressé, pressé, on dit pour Guy Philippe capable rentrer en dans pays d'Haïti, pressé, pressé. Dossier ça, son dossier qui est assez sensible, parce que, gon paquet nèg, Guy Philippe Potko, même jeune libération, li, yote getan commencé à menacer, yote getan à bal avertissement, comme quoi, pays d'Haïti piégé, ou pas qu'à venir là pour venir faire des potes sauvés, mesdames et messieurs, yote getan à carré koyo, pour yote capable coincer ancien sénateur, ancien rebelle là, selon RFI, Guy Philippe, son ancien chef de gang et un ancien officier de police, même Bakache dit nous, pour ça, moi qui gagne en bas poste RFI, côté elle dit Guy Philippe, c'est ton chef de gang là. Ah, mon cher, Aïssé pas joué. Aïssé pas joué. Aïssé même rivé Piozou, c'est Ariel Henry qui chef de gang. Guy Philippe pas chef de gang, c'est Ariel Henry. C'est Ariel Henry qui est chef de gang, mesdames et messieurs. Donc, n'a prêté tonne et n'a suivi évolution situation pour nous capables de connaître exactement qui est Guy Philippe lui-même l'a déporté en Haïti. À moins que, encore une fois, c'est un coup des États-Unis pour le capable de permettre Guy Philippe rentrer dans le pays d'Haïti de façon inaperçue. Moun ka foufeuille, je n'ai pas gardé là, mesdames et messieurs, a traversé une situation qui est assez compliquée, surtout dans cette côté, yo recevoir yo wa. Moun yo tellement gen problème que yo même arrivé à dormir dans le cimetière de Port-au-Prince. Est-ce que nous comprenons qui ça veut dire? Moun yo tellement gen problème, yo tellement pas gen côté pour y aller réfugier encore, y a dormi dans cimetière Port-au-Prince. N'a essayé chercher pour vous, pour nous est-ce que nous capable joindre une déclaration un bien dirigeant cimetière Port-au-Prince en partie. Pays a docteur Ariel. Okay, okay. Ah mais des temps qu'aborder espace ça tant pour tout le monde qui a pour dit moun qui a fait yo déplacer c'est là où c'est faux. OK. Parce que moi en tant que directeur mon val c'est pas ta on ne va pas accepter un groupe pour lever un bon matin pour venir dormir là, malgré les problèmes. Si on veut aller dormir, on va dans la mairie centrale. Parce que là, le cimetière de Port-au-Prince, c'est côté mort enterré. Parce que moi, côté l'enterré, elle doit vivre en paix. Ça qui arrive au même vivant, au bouleversé. Mais moi, côté on mettait la poule vivre en paix. Parce que en dans son lieu mystique, son lieu culturel, son lieu de prière, c'est pas pour tout cas. Accepter un bonjour matin, un groupe pour venir, entrer à dormir, pour faire bruit, pour faire la propriété. Je m'accepte à accepter ça parce qu'en dedans, on n'a pas de gros esprit. L'on prend, bah, c'est si bien, comme universel, comme dans Bala, et bah, on criminel, bah, on samedi, et ma pion, une grande Brigitte, une mètre calfou. En dedans, on n'a pas de grand esprit. Et le président qui est en dedans, le ministre qui est en dedans. Parce qu'en dedans, on en dans son côté, son espace qui gagne pile million. Côté gagne carreau qui vend chèque et on caille en dedans. Parce que tout grand négo qui gagne en dedans. Ministre, président, en dedans enterré. Elle dit son côté, son dicté, à gérer là. Elle dit ça veut dire c'est million à gérer en dedans. Ça qui arrive pour activité à pas gagner enterrement. L'autre en dedans, 5-6. Quand il y a son grain de grain, l'insécurité a fait impact. C'est même regarder des cabrits sur qui là. Cabrits sur qui cabrits non pas main. Parce que cabrit c'est des manières de faire général là baron. Qui cabrit tous ces expéditions fait des baron. Yo la gueule. Soit pas main yo. Ok. Après ça, en dans qu'on y a son côté soi. N'importe qui ne va pas rentrer. Des bovins là, zèle ça pas zèle boyo. Va pas rentrer. Même en termes les apprentis là, au monde où t'as passé ou à camper, t'en as tellement fait d'entrer, après rentrer. Mes amis gota ouais. En tant que directeur, pour me citer, on fout le monde, quand il boule, en train de dormir. Il n'est pas très bon. Elle dit, les réseaux sociaux, c'est faux. Il n'y a pas de la guerre, pas de vérité. Et je crois tout, avant de parler avec tout, je vais dans le elle dit, on doit prendre dans le café en l'air, c'est pauvre, on va faire un café. Après ça, plus fort de quoi tu là, c'est le monde qui est sur le caveau, privé, mon Dieu. On continue de gagner des caves en dedans, on va mettre sur sa vie. Donc doit avoir carreau dans même micelier, donc doit gagner et c'est carreau dans même là. Ça veut dire on va entrer là, toute notre chita là, c'est des responsables. Non.
Voilà, mesdames et messieurs, et bien selon le directeur cimetière à Port-au-Prince, M. Valse, en dans son lieu qui est hautement mystique, hautement culturel, qui des séries bagailles, il n'y a pas de table jambes qui est arrivé. Donc, c'est fausse information selon ça, M. Ali même li arrivé déclaré. Et bien, mesdames et messieurs, n'a pas autant de doléances quelques moun kafoufeuille qui vraiment a passé un moment qui difficile. Entendez qui j'ai en situation li même lié dans kafoufeuille. Mouvement de protestation à faire contre groupe armé qui a envahi kafoufeuille. Donc, juste avant, n'a pas songé à une série de monde qui sortit Carrefourfeuille, journée aujourd'hui qui perd du caillou. Un monde nous sommes capables de considérer comme étant un patrimoine national qui se gare Victor, journée aujourd'hui qui perd du caillou. Il y a l'autre monde que nous connaissons dans la génération par nous, notamment Fernando Estimé qui perd du caillou. Il y a Blondie Ferdinand tout qui c'est monde Carrefourfeuille. Et nous avons Modeline tout que nous voyons qui. Et dans juste ça là qui met une vidéo dehors côté que l'interprète musique Vito Vaoba. Donc nous avons que dans Carrefourfeuille n'a fait face à un phénomène d'insécurité côté nous capable dit c'est comme si nous tenons camisole d'insécurité. Tout ça nous fait malgré tout mouvement de protestation nous fait rien pas jamais fait jusqu'à ce que bagala arrive là journée aujourd'hi. N'a pas rappelé Mounio que je ne dis à là, le monde de son village. Pas penser à l'insécurité qui est dans sa vente pistacha, il peut affecter l'autre zone. Yo. C'est peut-être ça que nous adressons nous au vrai patron de l'État. Parce que il a toujours dit, il faut connaître le patron de votre patron. Donc nous adressons nous au vrai patron de l'État, nous dit, côté EA, pas penser à sécurité. Parce que je ne dis à dit, un battement d'aile au Japon peut provoquer une tornade aux États-Unis. Si nous avons remarqué, les bagarres ont commencé depuis 10 novembre dernier dans le savon de pistache. Il y a plein de monde dans le Carrefourfeuille qui ne peut pas faire trop d'importance. Même les gens qui sont dans le Carrefourfeuille, pour eux-mêmes, ça ne peut pas bien briver sur eux. Jusqu'à ce que nous, les bandits, viennent faire un autre. Assaut, jeudi, c'est toute Port-au-Prince qui est censée affecter par ça que tu as passé le savon de pistache. D'où ces provocations, ou du moins ces marginalisations, insécurité dans la zone savon de pistache, qui fait que nous arrivons là, jeudi à là. Nous disons à tout le monde qui est concerné, tout le monde qui est capable de prendre une décision dans le pays, voyagez garder nous. Voyagez garder nous pour être capable de résoudre le problème d'insécurité pressé dans le Carrefourfeuille, pour permettre à Mounio de retourner à la caillou, pressé en paix et en sécurité. N'a pas dit responsable état yo c'est pas Boakale qui a résolu le problème Carrefourfeuille là c'est archi faux si on monde pense c'est mouvement Boakale qui a résolu le problème Carrefourfeuille là c'est archi faux parce que l'organe groupe armé qui a venu dans zone Bolakayo côté que c'est environ 200 à 500 nèg qui bien armé qui a venu Bolakayo manchette bâton pas capable faire rien donc c'est un piège yo t'es pas population côté que t'es quitté population pour battre toute sécurité donc nous ouais c'est archi faux. Question de Boakale, ce n'est pas ça qui a posé le problème. Insécurité dans le Carrefourfeuille, ce n'est pas ça qui a permis de retourner la caillou dans le Carrefourfeuille. C'est l'État qui a demandé pour prendre responsabilité. Bon, pour nous pourrons parler de l'état actuel des choses. Comment ça est aujourd'hui par rapport à la dernière interview que nous avons prise, soit dans les habitants qui étaient déplacés ou autres. Ça nous était dans la presse. Tout. Donc, depuis les assauts, depuis les bandits ont envahi sa vente pistache, aujourd'hui, bagayo yo empiré parce que semaine ça c'est caille qui continue à brûler notamment dans zone Fouchard. Si nous t'avons regardé dans mon hier nous est en pile caille à brûler dans zone Fouchard. Dans zone Mont Marie dans zone impasse dit c'est en pile caille qui a brûlé et gen moun qui continue à mourir gen pillage qui continue à faire dans caille moun yo. Donc pas penser que les nous pas parler dans la presse bandi yo pas avancer. Oui, bandits a bel et bien avancé. Parce que si dans un premier temps, nous étions dans une zone de pistache, nous n'avons pas les blocs, ça y est. Mais je ne veux dire, nous avons des cailles qui sont dans une zone mulaire qui prend du feu. Donc, plus de monde a quitté caillou. Les gens qui ne sont pas trop concernés, je ne veux dire, ils sont obligés de quitter caillou.
moun campes yo obligé quitter kayo, gen moun pako qui obligé quitter kayo, moun turjo et gen moun canapé vert qui obligé quitter kayo. Par conséquent, nous vinn gagner plus centres d'hébergement. Pour le moment, nous avons environ 20 centres d'hébergement. Yon nan centre d'hébergement qui est plus précaire, qui est plus vulnérable, qui gagne peut-être, par contre, si nous connaissons, c'est dans Rex Théâtre que nous invitons tous les journalistes et nous-mêmes, nous invitons les autorités autour, puis nous fournir les gardes dans Rex Théâtre. Puis ouais, comment nous vivons? Les gens qui payent les taxes, les gens qui font pour les belles machines, les gens qui font bien toucher, puis nous regarder dans qui état les gens qui vivent dans Rex Théâtre. Donc, nous demandons aux autorités, pressé pour vous regarder, j'ai mon ça. Donc, il y a un centre d'hébergement qui est dans le lycée des jeunes filles. Il y a un centre d'hébergement qui est dans le lycée Marie-Jeanne. Bon, c'est notre centre d'hébergement que nous avons là, dans le gymnasium Vincent. D'où la nécessité pour nous poser tête nous question ça. Ministre de l'Éducation nationale, là, nous demandons, est-ce que ou est-il possible pour l'école là ouvert lundi si Dieu veut? Ministre de l'Éducation nationale, nous demandons, est-ce que ou est-il possible pour l'école là ouvert lundi? Pendant que dans l'école nationale, dans le lycée, c'est abri. Notamment, le lycée de société là, qui est le lycée Cafoufeuille, le lycée Firmé, le lycée des jeunes filles, le lycée Marie-Jeanne. Conditions sont vraiment, vraiment précaires côté de la vie. Et les jeunes, et si les gens qui sont là, nous regardent sous côté nous, est-ce que les gens ne sont pas à l'école? Si moun kafou fè yo, est-ce que vous parlez l'école? Parents sa yo, ki moyen yo gen lanmen yo pou yo voye ti moun yo l'école. Ministre n'a mande pou resezi yo. Oui, faut que ti moun yo a l'école. Mais en seule condition, faut que moun kafou fè tourner la caillou. Parce que parents yo pa gen moyen pendant dans centre d'hébergement yo pou yo voye ti moun yo l'école. Donc, ça n'a mande priorité a, c'est pour l'état prendre responsabilité pour faire moun yo retourner la caillou pour yo capable voye ti moun yo l'école. Donc, si n'a parlé de centre d'hébergement, nous vinn wè gen promiscuité. Nous venons de promiscuité dans le centre d'hébergement. Donc, il y a un peu de risque, notamment sur le plan sanitaire dans le centre d'hébergement. C'est ça que fait nous avec nos camarades, nos voisins, nos amis, nous, qui sont Kelly, qui sont médecins. Libral dit nous, un peu de risque qui gagne dans le centre d'hébergement que lui-même visite, côté que nous vivons, qui est capable, très très dangereux, non pas pour Cafoufeuille seulement, non pas pour Port-au-Prince, mais c'est pour toute Haïti. Voilà, mesdames et messieurs, nous sortons des déclarations quelques monde qui sorti Cafoufeuille, qui a vivre une situation qui est assez compliquée et terrible en même temps. Gagné citoyen, ça reprend à attendre là, qui dénonçait SDP. Oh oh, hé hé, SDP, à tout alcoolique lio, qui s'est vite l'homme innocent, t'a planifié assassiner Martine Moïse. Entend des déclarations, citoyen. Absolument rien. Moi, je rappelle l'équipe assassin qui a dirigé Haïti aujourd'hui. Dans le temps, les Jovenel Moïse étaient président. Ils ont dit Haïti pas venir diriger, ni administrer. Aujourd'hui, mes administrations. Aujourd'hui, mes bons dirigeants. N'a dénoncé. Premièrement, un plan global que le gouvernement Ariel Lagain pour sacrifier le peuple haïtien au profit des communautés internationales. N'a dénoncé deuxièmement, un plan macabre que Ariel personnellement gagne pour assassiner Martine Moïse, ancienne première dame de la République. Là. Les nous garder dans quelle situation le pays a évolué. Jodian, pour Ariel trouver la bamatelle Jean-Claude Pression pour inviter Martine venir la justice. C'est un plan qui concordé entre Ariel et Vite l'homme pour assassiner Martine. Parce que personne ne passe sans savoir que Vite l'homme sont même très influents dans le pouvoir Ariel. Nous alerter l'opinion publique nationale et internationale. Martine Moïse n'a pas qu'à répondre à une question Martin Jean-Claude Jodia pour raison de sécurité. Et Nabdi Ariel, il n'a pas besoin de continuer à faire Martine pression. Nous ne connaissons pas la volonté Martin Jodia pour l'inviter Martine parce qu'il connaît qui est danger. Mais Ariel a balle pression. Nabdi Ariel,
bien compté, mal calculé. Nous pas oublier pour yoter assassiner Jovenel Moïse, son juge d'instruction. Yoter fait bah un mandat pour l'assassiner. Et puis les fini M. le Canada. Maintenant, je dis, nous clair sur ça. Matel, pour vous et mandat, pour pas vous et mandat, Matin, pas fini. Et nous dénoncer ça parce que c'est un plan macabre que le gouvernement y a pour assassiner Matin et nous va conduire ça. Merci. Alors... Voilà, mesdames et messieurs, le gouvernement a un plan macabre pour capable faire assassiner Martine Moïse selon déclaration citoyen Silla. On a continué ensemble avec quelques déclarations après que délégation CARICOM a rencontré société civile là ensemble avec quelques signataires accord en d'un pays d'Haïti. On a parti ensemble avec Imler Rebu et puis on a suivi. Le pays a Dr. Ariel Henry, pas jamais dit rien. C'est quand coule pas responsable. C'est le rôle li en matière de sécurité pour moun yo serré l'étranger vini. Li pas jamais essayer faire un seul geste pour le ta dit que le prend initiative pour ta porter population en secours. Que ce soit moun yap violé, que ce soit moun yo assassiné, que ce soit moun yo obligé à abandonner la kayo pas contre côté là, li pas jamais dit rien. Seul bagay li ta remen pour de moun vin dans gouvernement avec li dans état bagay là et là. Pour aller assumer toute chair la belle, on n'est pas prêt. Et position nous tout côté bas la rivière. Première solution, c'est le départ du premier ministre Dr. Ariel Henry Jalrelia. Et du côté de l'accord du 21 décembre, ils sont pour un consensus. Ils le rappellent et ils le disent haut et fort. Il faut trouver un consensus pour une gouvernance commune. Il faut trouver un. Waouh! Eh, garde monsieur. Gad grosseur, gad sourire sous lève-li, pendant moun kan fou fey ap mouri, pendant y'a violé moun yon kou, pendant y'a kidnappé, y'a boulé, y'a séquestré, gad sourire sous lèvre, monsieur, yon. Mais grosseur, li pi mal passe chat kaipe, ouè neg sa yo ba ici la, et yok poupé. OK, nous nos pays côté ministère a délogé, nous nos pays côté population a couru pour bandi, tout le monde tribo pa bon a couru pour bandi sauf gouvernement qui a fait bien ak bandi. En tout cas papa, consensus pour une gouvernance commune. Donc d'équilibre ou co-gestion ou co-déposition dans le cadre de la gestion de la crise actuelle que vit le pays. Selon les signataires de l'accord du 21 décembre, le moment est venu de faire un dépassement de soi pour qu'ensemble, on puisse diriger le pays, constituer ou construire un nouveau conseil électoral provisoire pour d'abord constituer ou aller vers la réforme constitutionnelle, ensuite l'organisation des élections générales, puis il faut un nouveau gouvernement, un gouvernement de salut public ou d'unité nationale, comme le souhaitent les signataires de l'accord du 21 décembre, et puis arriver, comme nous l'avons dit, à l'organisation des élections pour sortir le pays du chaos. Nos propositions, nous, c'est un gouvernement d'unité nationale ou de salut public, quel que soit ça lié pour nous chita, pour ensemble nous faire. Deux, c'est HCTA, c'est comment on a élargi, comment on a visité, comment on a bal plus de pouvoir et comment libéral ensemble avec le gouvernement et le conseil comment ensemble yo bral déterminer comment yo bral décider à faire pays a. Parce que exactement conseil du gouvernement, conseil d'état, conseil les nous réunis pour nous prendre décision yo, comment on bral poser point par point les grands dossiers et ensemble comment n'a déterminer qui ça nous va le faire, n'a pas solutionné. Troisièmement, le CEP, parce que n'a pas parlé de pouvoir, qui va le jouer depuis devant, c'est CEP qui va le mener. Donc comment nous va le faire CEP ça, yo, ensemble? Est-ce que n'a pas inspiré de constitution avant, genre qu'on a fait avant? Ou bien ensemble, nous va le garder, comment n'a pas constitué CEP ça? Question constitution, hein? Qui ça nous va le faire avec? Est-ce que nous avons trois l'étage ou nous avons une nouvelle constitution? Et comment ensemble nous allons jouer un moyen pour troupes Yovini pour établir la sécurité? Chalmas à la côté de Kose Papa. On a prêté 30 troupes, nous allons faire et référendum constitutionnel. Mais je nous cherche un peu.
Non, je nous cherche en pile, en de pays. Ça, faut que vous veillez nous, oui. Faut que vous veillez nous parce que nous pas bon monde. Il y a marqué exactement 26 mois depuis que vous assassinez Jovenel Moïse. 26 mois depuis que vous avez mercenaires rentré la caille président, vous crabinez. Je ne j'ai dit, là, la souris. Sourire aux lèvres. Oui. Nous pouvons chercher groupe militaire. Nous pouvons chercher force militaire. N'a pas parlé de élection. N'a pas parlé de toute bagaille. Eh bien, ti monsieur, nous gessou nous. Non, ti monsieur, nous gessou nous. Voilà, mesdames et messieurs, c'est toute information ça yo. Nous te pote pour aujourd'hui à rendez-vous cassé. Pour prochaine sortie, édition ça d'ici là. Restez bénis et protégez-vous. Bon week-end à vous tous.